coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mercredi et nous nous retrouvons dans un nouveau vlog. Il est 14h, je ne vous ai pas pris le bonheur alors que je suis en repos. Mais ce matin, je n'ai rien fait. J'ai regardé le replay d'ici tout commencer, demain nous appartient, puisque je ne l'ai pas regardé hier. Hier soir, on avait mes beaux-parents à manger. Ça nous fait du bien de se retrouver en famille, surtout dans des moments comme peut vivre ma belle famille en ce moment. Et là, je pars vite fait à la banque chercher des sous parce que je ne suis pas d'avance. Et après, je passe mon après-midi chez mon esthéticienne. Épilation du visage, c'est pour ça que je ne suis pas maquillée. Je vais refaire, vous savez, j'ai été chez le podologue samedi, donc elle m'a enlevé tout mon vernis à ongles. Donc je vais, en même temps, elle va me faire mon semi sur les pieds. D'ailleurs, j'ai toujours pas dit à Mylène que le 14... qu'elle me fasse pas les pieds du coup. Et ensuite je vais faire mon massage éveil d'essence que Mathias m'a offert à mon anniversaire. J'ai hâte, vous n'imaginez pas. Je parais hyper fatiguée, mais je suis pas... Non, je suis pas fatiguée, je suis plutôt pas mal. Mais c'est vrai que quand je suis pas maquillée et là je sors de la douche, oui, j'ai pris ma douche à 13h30. Donc voilà. Mais pas grand chose de prévu sinon aujourd'hui. Tout à l'heure, je vous montrerai, j'ai reçu la My Little Box du mois de février. Je l'ai reçue hyper de bonheur. Hyper de bonheur, ouais, ça se dit, je sais pas. On est le 1er février et je l'ai... Bref, c'est cool. Je vous ai mis en ligne également le vlog du 30 et 31 janvier, ainsi que sur Insta, le second concours, l'atelier forésien. Mais quand vous aurez ce vlog, vous aurez encore du temps, il me semble. Vous aurez encore une journée, puisqu'il se termine vendredi à 14h et ce vlog vous l'aurez demain normalement à 17h30 ou alors vendredi matin à 6h le matin. On verra, je ne sais pas trop comment je vais m'organiser puisque je suis d'après-midi, jeudi et vendredi. Ce serait bien que vous avancez parce que je ne suis pas trop d'avance les gars. Donc voilà, oui, je ne suis pas partie du tout d'avance, j'ai rendez-vous à 14h20 et 14h10. Comme d'hab, je vais arriver pile poil, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Je voulais vous prendre quand même avant d'aller chez l'esthéticienne. Et je peux vous dire que niveau épilation, sourcils et menton, regardez là, vous voyez là, c'est d'un lait. Donc j'ai hâte. Forcément il y a des travaux, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je vais tourner là. Donc voilà, bref, je vous reprends après et je vous parle de mon soin, etc. Et à tout. Coucou tout le monde, suite de ce vlog. Nous sommes jeudi, il est midi 20, je ne vous ai pas du tout repris après le soin. J'ai voulu profiter et puis Mathias est rentré qu'à 21h. Enfin, bref, franchement, il y a eu beaucoup de choses qui se sont enchaînées. Dans ma belle famille, on a perdu quelqu'un, mais personne n'était open, enfin du moins off pour les fleurs, etc., des petits-enfants, tout ça. Du coup, je m'en suis occupée des fleurs. Et puis moi, vous savez, il ne faut pas grand-chose en fait. Vous m'enlevez mon organisation et voilà. Après moi, je suis paniquée, etc. De plus, j'ai eu mes règles, qui est une très bonne nouvelle puisque la PMA va peut-être avancer, je l'espère, du moins, je vous pose. J'ai appelé ma gynéco, j'attends qu'elle me rappelle. Là, je suis d'après-midi. Et du coup, j'ai fait à manger et pour moi ce midi et pour Matt quand il rentrera. Mais il ne va pas rentrer avant 15h pour manger. Il est parti assez loin. Je ne me suis pas maquillée, je n'ai pas eu le temps. J'ai hyper chaud avec ce pull. J'ai mis un pull avec un leggings noir. C'est le pull que j'avais acheté à Kiabi. Et puis des bottes. Bref, je ne me suis pas maquillée. Franchement, j'ai mal à mes yeux. Je vais remettre mes lunettes tantôt. Donc voilà, j'ai eu quelques réceptions que je vais vous montrer. Il y a la My Little Box et Coro. Et j'ai reçu une partie de Zalando. Je vous avais dit que j'avais acheté quelques vêtements Mango, mais d'autres petites choses aussi. Donc je vais vous montrer également tout ça. Mais Zalando, je vous le montrerai la semaine prochaine dans un autre vlog. Parce que j'aimerais... Je suis pas sûre que ce que je viens de faire, c'est très bien. C'est pas grave, tant pis, c'est fait. Je suis pas sûre que mes pâtes étaient cuites. Ouais, Zalando, comment vous dire, ils envoient ça en 15 000 colis, donc j'ai pas tout reçu,
et je veux tout montrer ensemble pour essayer les vêtements, etc. et pouvoir renvoyer si ça t'a renvoyé. Vous êtes 2-3 à m'avoir acheté sur Vinted, et oui, j'ai pas encore envoyé les colis, mais franchement, cette semaine, je pensais pas qu'elle allait se passer comme ça, qu'on allait avoir un décès dans la famille, etc., enfin dans la belle famille. Donc voilà, bref, c'est pas très grave, hein. Enfin, c'est pas très grave, je vous parle pas du décès, hein, mais je vais essayer de me motiver demain, mais je vous dis, en plus, j'ai eu mes règles, et franchement, ça me met pas en grande patate, on va dire. Et puis je travaille tantôt. Donc ma bolo elle est faite. Mes pâtes sont faites. J'ai fait également une tarte saumon poireau pour ce soir. Comme ça Mathias n'a pas du tout quelqu'un m'envoie un message. À préparer quelque chose. Il est fatigué Matt. Depuis la semaine dernière, il n'arrête pas. Il n'a pas eu une journée de repos depuis 15 jours. Donc voilà, je lui ai dit ne m'attends même pas pour manger. Si t'es fatigué, mange et va te coucher. Parce que des fois, je peux rentrer assez tard. Pas hyper tard, mais je sais que je parle des fois avec l'aide-soignante de nuit. Donc voilà, bref. Les pâtes bolo sont prêtes. Moi, je vais pouvoir manger également. Ma cuisine est rangée. Ma vaisselle est pratiquement faite, j'ai plus que la casserole et la passoire. Donc voilà, franchement une semaine assez hard. Ce vlog, vous l'aurez vendredi, je pense pour midi ou 14h. Je vais vous faire tout ça, comme ça je vous ferai un make-up demain avec la rose métal que Romy et Audrey m'ont offert. Et comme ça après, je serai à jour dans ce genre de petites choses à faire pour vous. Donc vous voyez, je vais vous montrer un article que j'ai pris sur Zalando. Je me suis pris des boucles d'oreilles et franchement, elles sont trop belles. Je vous les montre juste comme ça et je vous montrerai le reste, promis. Je vais vous montrer la My Little Box du mois de février. Je mange et je vous montre ça parce qu'il est déjà midi 25. J'ai le temps. Je vais vous montrer ça maintenant. Si je vous pose là, êtes-vous bien hein? Bah oui. Alors, la My Little Box du mois de février, je l'ai reçue hyper tôt. Je suis trop contente. Elle est sous forme de petite boîte comme ça en métal. Et c'est écrit Breakfast Like a Queen. Donc le petit déjeuner de la reine. Franchement, il est trop mignon. Et ça, c'est le petit chien de la reine d'Angleterre. Elle est vraiment chouette, la petite boîte. Alors, dedans, nous avons une petite planche de stickers. Franchement, ça, j'en ai un peu rien à faire. Ensuite, on avait un petit pochon avec écrit « cheveux de Queen » dessus. Et dedans, c'est une petite brosse comme ceci. Je ne l'ai pas encore essayé, donc je l'essaierai et je vous en reparlerai. Dessus, il y a un petit cœur ici, trop mignon. Donc voilà. Ensuite, on avait des petites choses aussi, la marque Clipper. 50 centimes de réduction. Hop, je vais le garder pour si quelqu'un le veut. Et on a deux petits sachets de thé. Moi, j'aime pas du tout le thé. Mais vous inquiétez pas, j'ai du monde autour de moi qui aime le thé. Et le petit pochon se présente comme ceci. Et dessus, c'est écrit Gate Lazy. Alors, dedans, on a un produit My Little Beauty. C'est un gel nettoyant pour teint éclatant. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vais pas l'ouvrir tout de suite parce que je m'en servirai, mais plus tard. Dedans, il y a 98% d'origine naturelle. Il est recyclé, issu de plastique, le petit tube. Donc ça, c'est... Ensuite, ça, j'aime pas du tout ce produit. Je vais le mettre sur Vinted, je pense. C'est un scrub lavant purifiant pour les cheveux au sel marin de la marque Christophe Robin. C'est une très, 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 très bonne marque. Mais moi, j'ai déjà testé ce produit et j'aime pas du tout. Au pire, il faudrait que je demande à Mylène si elle avait bien aimé. Je lui avais offert l'année dernière. Si elle a bien aimé, je lui donnerai. Et ici, on a un petit mascara Clinique. Mascara Impact Optimal en teinte noire. Et c'est une plutôt bonne brosse comme moi j'aime, avec des poils synthétiques. Et on a un petit échantillon également du nouveau fond de teint Clinique, le Ever Better Clinical. Comme ceci. Donc voilà. Je la trouve sympa parce qu'il y a du make-up, il y a du soin, etc. Mais je sais pas. J'ai l'impression qu'il manque un petit truc dedans. Alors, j'ai eu ça aussi. Regardez.
Bonjour, j'ai eu un chat dans la My Little Box. C'était le seul chat à gagner, c'est moi qui l'ai eu. Donc voilà, moi ouais, je trouve qu'il manque un petit truc, mais bon, je suis très contente. J'ai payé à Mathias également Resident Evil Village que j'ai eu sur Amazon. Donc je lui ai pris, je me suis fait avoir puisque j'ai pris le Gold Edition. Il me dit qu'il fallait pas prendre Gold Edition, c'est carrément plus cher. Mais écoute, moi j'y connais rien. J'ai pris ça c'est fait. Et puis voilà, dans mes réceptions de là, je vous montrerai également Coro, parce qu'en fait, c'est mes voisins qui l'ont réceptionné et ils ne m'ont pas encore donné. Donc, s'ils me le donnent avant demain, je vous le montrerai dans ce vlog, sinon ce sera plus tard. Ma tarte saumon poireau est en train de cuire, mais comment? Mes tagliatelles bolognaises sont prêtes. Je vais manger et comme ça je vais pouvoir aller au boulot. J'ai préparé mon sac de travail, c'est bon, tout est bon. Donc voilà, bref, toujours ce bref. Je vous dis certainement à ce soir, peut-être, et puis passez une bonne après-midi. À pour vous dans une seconde en fait. Bon, on est toujours, hein, il est 13h17, je vais partir au boulot. Tout compte fait, je me suis maquillée, mais franchement, vite fait, il n'y a rien de spécial. Je voulais vous dire, j'ai refait ma teinture au henné. Et j'ai fait une coiffure. C'est très rare que je fasse une coiffure. Je vais essayer de vous montrer ça. Oui, je suis en soutif parce que j'ai enlevé le pull, j'avais trop chaud. Alors, vous voyez rien. En fait, j'ai pris un bun, je l'ai tourné et ça fait une banane derrière. Voilà, comme ça, j'ai les cheveux bien bien attachés pour tantôt. J'ai mis des petites boucles d'oreilles et j'ai mis mon joli collier que Laetitia m'a offert de la boutique L'Atelier Forésien, qui d'ailleurs toujours en concours jusqu'à vendredi. J'ai marqué 14h, mais je pense que ce sera vendredi soir, 23h59. Au moins, celles qui regardent ce vlog-là, allez voir le vlog d'avant. Tout est expliqué, ainsi que sur Instagram. Voilà. Bon, je mets mon pull, je finis de boire mon café et je pars au travail. Donc, je vous dis à plus tard. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée, ce vlog est un peu complètement hachuré, tout ça. Mais vous avez compris, on a eu un décès dans la famille. Du coup, franchement, beaucoup de choses. Là, vous voyez, je suis prête. On va partir à l'enterrement. Mais je voulais finir ce vlog quand même pour en redébuter un. Et que celui-ci, vous l'ayez aujourd'hui, samedi. J'essaie de vous le mettre en ligne dans l'après-midi. On va finir avec notre commande Coro. On a passé une commande Coro il y a déjà 10 jours. On l'a reçue hier. Et en plus, il faut que j'envoie un mail à la marque puisqu'il y a un paquet qui est ouvert. Il est ouvert jusqu'ici et franchement, il y en a un peu partout. Donc, on va faire attention quand je vais vous montrer. Donc, je ne suis pas du tout en partenariat avec eux. J'ai passé commande moi-même avec nos propres sous et j'avais pris le code de Bérangère. Je vous le mettrai ici, ça vous donne moins 5%, il me semble. Donc, on a pris tout d'abord de la c'est pas écrit, amande moulue avec peau, donc de la poudre d'amande. Donc ça, c'est ouvert. Il y a 1 kg. Je vous mettrai les prix également ici. On avait pris ça pour que ce soit des petites recettes, etc. Mais aussi pour mettre dans des bowl cakes. Mathias mange des bowl cakes le matin. Donc voilà. Ensuite, il y en a pas. On a pris 1 kg d'amandes. Franchement, elles sont super bonnes et elles sont pas très chères comparées à Grand Frais, Leclerc, etc. Donc, on a pris des amandes qui sont non salées avec peau. On a repris également des pépites de chocolat sucré au xylitol, il me semble. Donc, c'est de l'édulcorant, hein, le xylitol. Pareil, elles sont hyper bonnes. Ça fait des bonnes pépites de chocolat. Pareil, pour les bowl cakes, les pancakes que je vous ai fait dans le vlog dernier, pour des recettes, franchement, elles sont très très bonnes. Et voilà. Ensuite, on a repris également, il y a de la poudre d'amande partout, du sucre de coco. Nous, on adore le sucre de coco. C'est un petit goût un peu quand même, je dirais, caramélisé. Et franchement, c'est excellent comme sucre. C'était comment Alexa qui m'avait fait un peu connaître ça. Mathias a voulu goûter, donc on en a pris que un de chaque. Des Energy Balls bio à la pistache, comme ceci. Donc je vous les remontrerai quand on ouvrira tout ça. Et il a voulu prendre un Energy Ball protéine façon brownies, comme ceci. Donc là, après je crois qu'il n'y a plus rien, mais je vais
référence. Dans le fond, il y a pas mal de papiers. Non, il n'y a plus rien. Il y a un petit bouquin, mais je ne vais pas le sortir. Et puis, notre... c'est très intelligent d'avoir fait ça avant de partir. Hein. Donc, voilà ce qu'on a commandé. Je vais tout remettre là-dedans et je nettoierai ça quand ce sera le moment venu. Parce que là, je vais en mettre partout. Donc, voilà. Je voulais commander d'autres trucs, mais franchement, on va attendre un petit peu. Je voulais goûter la sauce tomate, etc. Parce que Bérangère en parle pas mal. Mais j'en recommanderai, il n'y a pas de problème. Mais je voudrais qu'on goûte au Energy Ball. Ça peut être intéressant si c'est bon. J'en avais déjà fait moi-même. C'était très, très bon également. Mais là, il y a plein de goûts. Et franchement, les photos donnaient trop envie. Donc, on va tester. On testera dans un vlog, bien entendu. Et puis, je vous en reparlerai. Je vais reposer ça dans le garage. Et je vous reviens pour clôturer ce vlog. Donc, après avoir nettoyé un peu... les dégâts de la poudre d'amande. Mais bon, je connais le service client Coro. On avait déjà eu un petit souci. Ils sont très réactifs, donc je sais qu'ils vont y être. Comment? Avant de clôturer ce vlog, on vous fait un concours, vous savez, avec l'atelier forésien Laetitia, la créatrice. Ça devait se finir hier. Je prends l'initiative de vous le terminer demain dimanche parce que, comme je vous en reparle dans ce vlog-là et que franchement, vous ne l'avez pas beaucoup vu, allez voir le vlog dernier. Allez sur mon Instagram également. Puisqu'il y a un concours YouTube, un concours Insta. Donc, je vous laisse jusqu'à demain, 23h59, pour participer pour les petits retardataires. Moi, vous voyez, je le porte tout le temps maintenant, mon petit collier. Et j'en suis très, très contente. Donc, voilà, je vais vous laisser là pour ce vlog-là. Je suis désolée, il a été coupé, entrecoupé, etc. Mais il y a des fois, voilà, on ne choisit pas tout le temps tout ce qu'on veut faire dans la vie et cette semaine a été une semaine assez chargée et donc on se retrouve je pense dans un prochain vlog et on sera chez mes parents, donc ça c'est cool. Donc je vous dis à très vite, je pense que le prochain vlog vous l'aurez lundi matin je pense, et comme ça après on va essayer de rentamer une semaine correctement tous les deux jours. Je vous fais des bisous, je vous souhaite un excellent week-end à vous et à très très bientôt. Bisous tout le monde.